Bonjour tout le monde, c'est Xeleko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone, la suite de Nax ramasse le quartier des assemblages avec le guerrier et le prêtre. On va commencer par Grobulus avec Garrosh Hurlenfer. Voyons un petit peu les surprises qui nous sont réservées, je suis un petit peu impatient. Et quel type de stratégie ou truc fun ils nous ont fait? Bon, on va enlever ça, le guerrier tauren, à la limite, un taunt, ça peut être cool. C'est quoi déjà son pouvoir à lui? Je sais pas, infliger un point de dégâts à tout le monde. Allez, affiche. Je vois pas. À tous les serviteurs, il invoque une gelée si l'un demeure. Ah ouais, mais ça va être chaud. Oh, le saccagé, c'est pas mal. Bon, j'en ai pas bien, on n'arrive pas à poser de monstre. On va essayer de placer ça, le berserker écumant. Oh oui! D'accord, je vois le genre. On va essayer de mettre ça derrière le Nérubien, on pourra protéger avec un taunt. Ah, le saccagé qui peut être utile. Le Nérubien, le saccagé. Et on frappe dans les points de vie. Allez, on va l'obliger à utiliser son pouvoir, là. Aïe, ça c'est contraignant. Qu'est-ce qu'il avait subi? Je pourrais à la limite le soigner. Utiliser un taunt. On va mettre des grosses créatures. Si 7 ça va, c'est violent. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. L'injection mutante. Ouais, je m'en souviens bien. On va l'exécuter. On va mettre un taunt plus... un berserker à manier et on va aller dans les points de vie. Mais il utilise pas son pouvoir en fait, c'est pourri là. Il n'y a pas de fun. Si tu aurais été fun, c'est du... Ah bah quand même, voilà. Il l'utilise que pour faire un finish quoi. Non, ce qui aurait été cool, c'est qu'il l'utilise constamment parce que ça aurait été plus fun. Là, on a l'impression de faire simplement un duel de Hearthstone quoi. C'est pas très, très passionnant. Ah, je tenterais bien ça pour avoir de la chance. Tu peux pas laisser les deux, garçon. Ah, j'avoue que ça pique. Ah, c'est bien joué. Oh là 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 là. Bon, avec la chance, l'enchaînement, ça peut en tuer deux. Mais je vais taper là-dessus, je sais pas pourquoi. Non, ok. Coup de bol. Je sais que le maître de culte c'était chiant, mais bon. J'ai pas trop le choix en même temps. On va aller dans les points de vie, il est obligé de trade. Hein. Aïe, aïe, aïe. L'abomination. Ça peut être cool. What? Oh, GG. Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Il est stupide. On va faire ça. On va faire ça comme ça les deux sont blessés. J'active le pouvoir. Clac. Double point d'armure. J'ai une 5-1. Et là, je pioche une carte pour chaque carte blessée. Oh, si c'est pas parfait ça. Une armure faite sur mesure. Travail terminé. Pff,
bourrage d'armure. Et ça, le GG. Je l'ai pas trouvé fun celui-là. Bon, j'ai juste l'impression de faire un match de Hearthstone, quoi. Il a un petit peu manqué de. Ah, ils nous ont mis ça, c'est quand même mignon. Allez. De l'air, merde, j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai eu. Ah, ne plus trop vite, de l'écho, on va voir. Je crois que nous avons l'arme, hein, tout simplement. L'arme du guerrier. C'est un petit peu ce qui lui manquait, une quête 2 qui inflige des points à tous les serviteurs. On va pouvoir avoir des guerriers fifou. La tisseuse. Hop. Aventure. Défi de classe pour avoir celle du prêtre. La 3-4 sombre sectateur. Bonjour mesdames et messieurs. Anduin contre Thaddeus. Celui j'ai bien aimé, c'était fun par contre. Donc ça. Nous apportera la victoire. Ouh. Meurs maintenant. Que c'est comment écrit là? Ok. Oh, elle est tellement bien cette carte quoi. Donc là on la met à bon tempo en plus. Ah bah non, avec ça c'est foutu. Plus de points de vie, on s'est fait carotte. Si je la pose là, en fait au tour d'après ça va devenir une 4-3, elle ça sera une 3-2 et je vais mourir. Donc ça c'est la galère. Ouais, de toute façon j'ai pas le choix, allez, vas-y. Il va me la tuer. Ça aurait pu être pire, ça va. Ça faut s'en occuper. Les années sont installé encore large, je soignerai au prochain tour au pire. Je pourrais modifier le tourné pour le buter, tac tac. Je vais faire ça. Dur. Prophète Vélène, est-ce qu'on va avoir le temps de le placer? Ah, GG, l'éclair. Tous ceux qui aiment, mon destin est scellé. Ah.
Allez, allez, une petite prise de risque là. Est-ce qu'il sacrifie tout ou pas? D'accord. Calculons au niveau des cristaux. Donc je peux faire un soin à 4. Ça le ferait à 7. Je pourrais me débarrasser de lui. Et derrière, j'aurai une 1-10. Le temps du truc. 4-5. Ça devrait pas me tuer. Je l'avais pris. Hop, et maintenant. Allez, ça me paraît bien ça. Petite Nova. Pas bien joué. Je l'avais prédit. C'est pas foutu pour l'instant, mais bon. Heureusement, il joue un petit peu n'importe comment, et moi aussi. Bon, ça va le faire. Les damnés se tiennent prêts. Je t'ai eu, Thaddeus. J'aurais fini, mais on fait durer le plaisir. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Allez, Thaddeus, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Ah, pas mal. Le top deck. C'est mignon. Je les ai trouvés un peu moins fun, hein. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je les ai trouvés, bon, ils étaient sympas, mais je les ai trouvés moins fun qu'au niveau de la construction de deck. Bon, heureusement que c'est Thaddeus avec la polarité qui est intéressant, mais c'est plus Thaddeus que les trucs de deck. J'avais trouvé ça marrant, par exemple, avec le chasseur, avec toutes les bêtes. On n'était pas limité. Là, ils nous ont fait un deck un peu classique, du double carte. Ouais. Allez, faut s'éclater, c'est des défis de classe, je veux dire, mettez-nous 10 fois la même carte dans le deck, rendez le truc intéressant, je sais pas,
faites des trucs what the fuck, tu vois, ça aurait été un peu plus cool. Mais bon, c'est fait, défi de classe en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et puis nous, on se retrouvera très bientôt donc pour la vidéo héroïque que j'ai terminée juste avant, pendant le live. Il me reste plus que Thaddeus, mais je vais le faire. Et donc voilà. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao. Sombre sectateur.